Récemment, quelqu'un a posté sur mon Instagram ce message qui est en anglais que je vais traduire. Aussi, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent quand on ne mange jamais. Alors, je ne vais rien dire sur le jamais, manger jamais, qui ne mange jamais réellement. Mais je vais quand même répondre à la question parce qu'en réalité, mon ami, si tu écris ça, c'est que ta vie tourne autour d'une chose uniquement, la nourriture. C'est bien, bien triste. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Mariam qui partage avec vous comment vivre une vie plus nourrissante, plus énergisante et plus prospère. Alors, lorsque l'on mange moins et que ce soit du jeûne intermittent prolongé, omad, un repas par jour, ou bien une pause pranique, une pause alimentaire, quelle que soit la chose, ou même une réduction alimentaire dans le sens on fait une pause jus et on ne boit que des jus, un régime liquide on va dire, peu importe le changement alimentaire dès lors que l'on mange moins, il y a deux choses qui vont se passer dans le corps et dans la vie en fait. Numéro 1, on a plus de temps parce qu'on passe moins de temps à manger, à faire la cuisine, à faire les courses, à faire le nettoyage, à aller aux toilettes, toutes ces choses qui sont en rapport avec le fait de manger, l'activité de manger. Et quand on a plus de temps, soudain on peut faire beaucoup plus de choses. On dort moins aussi, très important de le préciser. On peut faire beaucoup plus de choses. Et la deuxième chose, le deuxième aspect qui est super important, qui va agrandir cette liste de choses qu'on peut faire, c'est l'énergie. On a plus d'énergie. Donc soudain, on se retrouve dans une vie où on a plus de temps, plus d'énergie, parce que du coup, on mange moins et on est moins autour de l'activité de manger. Avec plus de temps et plus d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup plus de choses. Soudain, on a besoin de bouger son corps davantage, on peut voyager, on a besoin de se connecter davantage aux gens. Je dis besoin parce qu'un besoin, en réalité, c'est une envie, pas insoutenable, mais non négociable. Un besoin est une envie non négociable. Parce que j'ai beaucoup de gens qui vont dire « Non, mais il n'y a pas de besoin, il n'y a que des envies. » Non. Ben, un besoin, c'est aussi une envie, en fait. Mais ça ne se négocie pas. Si j'ai besoin de méditer, c'est une envie, certes, mais ce n'est pas négociable parce que si je ne médite pas, les conséquences sont négatives ou néfastes pour ma santé et mon bien-être. Donc, du coup, c'est un besoin. Mais c'est aussi une envie. Bref, petite parenthèse. Je ferai une autre vidéo sur le besoin et l'envie, peut-être. Donc je reviens sur ma liste de choses, on a plus de temps, plus d'énergie, donc on a envie de voyager, de changer d'environnement, de faire des choses différentes, plus d'énergie, on est obligé d'utiliser cette énergie parce que sinon elle stagne et l'énergie qui stagne c'est pas bon du tout, dépression, maux de tête, pas de désir de choses dans la vie, être lassé de la vie en fait, d'avoir aucun désir de faire des choses, le problème si on n'utilise pas son énergie c'est qu'on se retrouve après dans une situation qui est néfaste pour soi-même et pour les autres. Donc l'énergie, elle a besoin de bouger. L'énergie est constamment en mouvement. Donc on bouge son corps, on se connecte avec les gens, on partage son savoir, ses connaissances. Et tout ça, ça coûte aussi de l'argent. On fait des jeux, on est beaucoup plus dans le jeu en fait quand on mange moins. Parce que soudain, on se rend compte que nos joies d'enfant, notre cœur d'enfant, tout ça ressort beaucoup plus. Donc on a envie de créer davantage. On crée par le dessin, l'activité physique, la peinture, peu importe en fait ce qu'on peut créer avec nos mains, notre tête, notre esprit, nos idées, etc. Donc si on se connecte davantage, on fait davantage de jeux, on voyage davantage, tout ça, ça a un coût. Et en réalité, parce que l'aspect de l'argent est une énergie. Et si l'énergie bouge, c'est que l'argent constamment rentre et sort, rentre et sort. Donc si on est sur cette voie, on doit être en paix avec l'argent parce que l'argent, c'est simplement énergie. Et énergie, comme je viens de dire, l'énergie doit constamment circuler. Et surtout quand on est sur cette voie de manger moins parce qu'on a beaucoup plus d'énergie qui circule aussi. Donc si on voyage davantage et si on fait plus de jeux et si on se connecte davantage avec des gens et si on sort pour aller faire un jeu de, je sais pas, aller à la piscine ou bien aller faire du soft play. Moi, je fais beaucoup ça avec ma petite maintenant, je me rends compte. Toutes ces choses-là, elles ont un prix. Et finalement, on se rend compte que sur cette voie, eh bien, on dépense, entre guillemets, plus d'argent que ce qu'on faisait avant quand on achetait que de la nourriture et qu'on avait que ce temps-là pour manger, cuisiner, nettoyer, aller aux toilettes, etc. Donc finalement, les gens qui pensent qu'ils vont faire des économies sur cette voie, non, non, non. Je vous assure que non, c'est même l'inverse. Sur cette voie, avec plus de temps et d'énergie parce qu'on mange moins, on fait pas d'économie, on dépense davantage ou on investit en soi davantage. Et en retour, on peut avoir aussi beaucoup plus d'argent si on partage son savoir lié ou obtenu grâce à davantage de temps pour travailler sur soi. Je partage beaucoup plus dans les formations que je fais, notamment Prospère en paix, lien sous cette vidéo. Rejoignez la newsletter également pour plus d'informations sur mes événements et mes formations en lien avec l'énergie, la santé et la prospérité. Et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, faites-le moi savoir en cliquant sur le pouce vers le haut sous cette vidéo, comme ça je sais, je peux en faire plus. Voilà,
Je vous souhaite tout le meilleur sur cette voie d'énergie, de vivre d'énergie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.